Notre fille est morte au mois d'octobre. Emportée par la peste. Comme la peste en a apporté tant d'autres, telles des feuilles dans le vent. Une terrible maladie, la peste. Hommes gaillards, femmes robustes, tous rudement piétinés sans remords par la plaie. Mais ce sont les enfants et les vieillards au cœur desquels elle rôde le plus longtemps, drainant comme une sangsue leur essence vitale, étirant leur souffrance. Peut-être parce qu'ils combattaient l'intrus plus farouchement, trop têtus pour donner raison à la maladie, n'ayant pas eu assez de vie à vivre, ou leur restant trop peu de jours pour les céder sans se battre. Abigail était d'un très jeune âge. Je me souvenais encore des histoires que mon épouse lui lisait la nuit venue. La flamme d'une chandelle dansant dans ses yeux clairs comme de l'eau de source. Les joues rouges comme des rosiers quand elle voyait le sourire de sa mère. De délicats souvenirs. Elle clouée au lit, vers la fin. Quand elle m'a tendu Lucie, sa poupée de chiffon, me demandant de s'occuper de son jouet pendant qu'elle était malade. Une poupée si petite dans mes mains abîmées. Sa mère qui lui chantait des berceuses, même après que la chandelle à son chevet soit morte. Qui lui chantait des berceuses dans le noir, même après que tout soit terminé. Nous l'avions enterrée sous le pommier, tout près de la maison. J'ai creusé sa tombe et je l'y ai amenée dans mes bras. J'ai enterré ma fille avec sa poupée. Et la vie continuait son cours, la peste de même, envoyée par Dieu qui disait « J'ai su à ce moment, moi qui avais été un soldat, pourquoi Dieu ne répondait pas à mes prières. » Pourquoi, même quand j'étais à genoux, que je l'ai supplié, mon père, je suis tellement fatigué, enlevez-moi de la mort qui m'entoure. Et Dieu est resté muet, parce que Dieu ne se lassera jamais de la mort. J'ai continué à chasser dans la forêt, à pêcher dans le ruisseau. J'y passais beaucoup plus de temps qu'avant. Bien vite, le printemps renaissait dans les bois. Tout ce qui avait été enseveli par le vent et le froid ressurgissait de la terre dans une explosion verdoyante de vie. Mon épouse continuait à s'occuper de son jardin. L'idée d'enterrer notre fille sous le pommier avait été la sienne. Les fleurs qu'elle avait plantées au pied de l'arbre en recouvraient le tronc. J'ai toujours aimé ma femme, à ma façon, dans le silence. Ce n'est pas pour dire que mon amour était insignifiant, bien au contraire. On dit qu'il faut se méfier de l'eau qui dort, et je l'aimais aussi fort que le jour où je l'ai rencontrée pour la première fois. Mais mon silence était devenu pour moi une prison. J'aurais dû lui exprimer tout haut ce que je ressentais, lui dire comment tous les battements de mon cœur étaient devenus une réprimande, me châtiant de ne pas avoir sauvé notre enfant, malgré ma force. Lui dire comment mon sang se glaçait chaque matin et chaque soir quand je croisais cet arbre impassible, indomptable, maudit. Une distance était installée entre nous. Cette distance est devenue un gouffre. Un ravin si vaste qu'on aurait pu le remplir avec toute l'eau d'une rivière. C'est au mois d'octobre que ma femme a perdu la vie. Elle s'est battue deux fois plus fort que notre fille, mais le mal l'a emportée deux fois plus vite. Peut-être que la peste avait appris durant l'année, en passant d'une victime à l'autre, des moyens encore plus élégants de trouver les failles et les sentiers menant jusqu'au cœur. De l'intérieur, elle pouvait ravager rapidement. De l'extérieur, le processus semblait lent et délibéré. Les jours passaient, se rapprochaient lentement de l'anniversaire du décès de notre enfant. Ressemblant de plus en plus à une espèce de farce hideuse. Ma femme se réveillait, chaque matin sa faiblesse encore plus évidente. Dans ses grands yeux verts qu'elle avait donnés à notre enfant, je voyais la lumière se faire de plus en plus rare, et j'entendais le destin rire et taper des mains,
diverti par la tragédie qui se déroulait devant lui. Et bien sûr, le jour est arrivé. L'heure est arrivée. Et mon épouse a succombé au repos éternel, ne me laissant rien d'autre que sa main dans la mienne. Je l'ai enterrée. Sous le pommier aux côtés de ma fille, un dur hiver approchait à grands pas et la terre était froide, dure et inflexible. Pelle en main, j'ai creusé le sol. La sueur ruisselait le long de mon dos. J'ai déposé le corps dans la terre et je suis resté debout quelque temps à le regarder. Le jour était clair et le froid mordant. La lune hivernale brillait encore un peu dans le ciel pâle, à peine visible. J'ai rempli la tombe et je me suis dirigé vers la forêt. Et la vie continuait son cours, la peste de même. Envoyé par Dieu qu'il disait. Chaque nuit, j'ai prié pour qu'il apparaisse devant moi, pour qu'il me bénisse avec sa divine maladie, pour que la mort m'emporte enfin, ou bien pour pouvoir passer mes mains autour de son cou. Je préparais ma hache et mes outils pour fendre du bois quand le prêtre est arrivé chez moi. Debout dans le cadre de ma porte, hache en main, je le regardais descendre le sentier qui traversait mon champ et remonter en direction de mon logis. Mon père, j'ai entendu ce qui est arrivé pour Sarah. Je suis désolé, mon fils. Tu en as tant perdu. J'ai perdu tout ce que j'avais. Les temps sont durs, mais c'est pour mettre à l'épreuve notre foi. J'ai gardé le silence et j'ai ajusté le poids de ma hache dans mes mains. Il a débuté une autre question, mais elle est restée sans fin. Est-ce que le corps... Ses yeux étaient durs et secs comme des cailloux. Mon regard s'est tourné vers le pommier. C'est là qu'elle voulait enterrer Abigail. Je sais, sa voix comme de la poussière dans le vent. Il connaissait ma réponse puisqu'il avait entretenu cette conversation avec Sarah en cette même date, un an passé, quand la petite nous avait quittés. Je sais que ton épouse avait ses propres idées, mais elle n'est plus de ce monde, John. Béni soit-elle. Et je me souviens de toi à l'église quand tu étais plus jeune. Tu dois faire ce qui est juste. Je crois pouvoir faire en sorte que leur corps soit inhumé proprement, pour leur bien. Je regardais au loin, par-dessus l'épaule du prêtre où se trouvaient l'arbre et le jardin. La terre était nue, les fleurs cachées pour se protéger du froid. J'ai ensuite regardé l'homme de Dieu droit dans les yeux. J'ai besoin d'aller dans la forêt. Je dois couper du bois pour le foyer. Je sais que ça te tracasse, John. Je vais m'occuper de tout. Les gens du village commencent à parler. J'ai levé la hache pour la déposer sur mon épaule et j'empoignais mon sac d'outils. J'ai franchi le seuil de ma porte, obligeant le prêtre à me laisser passer. Je sais ce qu'ils disent, les gens du village. Ils disent que la peste est envoyée par Dieu. En marchant vers les bois, je sentais ses yeux me traverser le dos. Une pluie d'hiver commençait à tomber. C'est les yeux grands ouverts au beau milieu de la nuit que j'ai entendu les bruits pour une première fois. Une sorte de grattement ou d'éraflement. De la terre qu'on semblait lancer un peu partout. Des pierres qui s'entrechoquaient. La nuit était froide et paisible et le bruit se propageait facilement. Je m'étais dit qu'un renard ou un blaireau visitait le jardin sûrement. Jusqu'à ce que le bruit devienne beaucoup trop fort pour que cette supposition soit vraie. C'est là que j'ai entendu un gémissement. Je me suis levé, quittant le lit pour me diriger vers la fenêtre et pour jeter un coup d'œil à l'extérieur, les yeux plissés par le clair de lune. Là, sous l'arbre, je discernais une silhouette agenouillée, les mains dans le sol, en train de creuser. J'ai fermé les yeux. Pour me convaincre que je voyais pas ce que je voyais, mais une fois réouvert, j'ai aperçu l'intrus, toujours à la tâche, baignant dans la lueur blanche comme si le soleil de midi lui-même se trouvait accroché au ciel. Une folie passante m'avait convaincu que c'était ce prêtre desséché, venu pour accomplir ses rites funéraires au beau milieu de la nuit. Mais non, ça ne pouvait pas être lui.
Il était beaucoup trop pur et pieux pour ce genre de besogne. De plus, celui qui se trouvait dans le jardin était vêtu de lambeaux, le crâne parsemé par quelques touffes de cheveux blancs. De ma fenêtre, je l'observais creuser. Ses mouvements semblaient faibles et maladroits, alimentés seulement par le désespoir. Par moments, ses efforts le poussaient à échapper à une funeste plainte, longue et terrible, me donnant le frisson. Probablement un de ces villageois pathétiques qui avait délaissé le commérage pour faire ce qu'il croyait juste et bon. La colère s'agitait au fond de moi. De quel droit profanait-on une tombe en pleine nuit? J'ai empoigné un marteau de mon sac à outils en me dirigeant vers la sortie. J'ai poussé violemment la porte, paré pour la guerre. Mais il n'y avait plus personne. J'ai scruté le jardin dans l'espoir d'y trouver une ombre ou entendre un bruit qui trahirait la présence de l'envahisseur. Rien. J'ai cru un instant avoir imaginé le tout, attribuant l'illusion au manque de sommeil, mais en marchant vers le pommier, j'ai vu que la terre avait été perturbée. De longues tranchées profondes d'un mètre environ, creusées à main nue selon les traces de doigts dans la terre froide. Aucune autre trace dans les parages. Rien qui laissait paraître que quelqu'un était venu ou même que quelqu'un avait quitté les lieux. J'ai considéré retourner à la maison pour y prendre ma pelle. J'ai levé les yeux vers la lune et puis j'ai laissé tomber ma tête. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à remplir le trou avec mes mains. La vie continuait comme elle se doit. Mais ma vie, du moins ce qui en restait, avait changé. Plus personne n'entretenait le jardin. Le printemps venu, la terre demeurait vide. Les fleurs n'étaient pas revenues comme je m'y attendais. Sarah devait les planter à tous les ans. Je ne connaissais rien des fleurs. Je m'occupais de mon foyer comme je le pouvais, mais ça ne m'était pas donné. À quoi bon nettoyer ce qui sera souillé à nouveau? Pourquoi m'en faire pour ça? La plupart de mon temps était passé dans la forêt ou au bord du ruisseau, quittant la maison tôt le matin pour n'y revenir qu'au crépuscule. Une fois les pièges installés et ma pêche terminée, j'errais de plus en plus profond dans les bois, visitant des endroits qui m'étaient inconnus. Un jour, j'ai trouvé la carcasse d'un modeste bâtiment dissimulé au cœur d'un fourré. Les murs de la maisonnette étaient faits en pierre, maintenant érodés par le temps et étranglés par les vignes et le lichen. Je me demandais qui aurait bien pu vivre ici. Depuis combien de temps cet endroit avait-il été abandonné? Il n'y avait nul autre signe pour indiquer l'âge de la ruine ou sa raison d'être. Des pierres seules et oubliées, cachées dans les profondeurs de la forêt. Le prêtre est revenu me visiter. Il avait sûrement tenté de me revoir plusieurs fois déjà, mais je devais être dans la forêt. Cette fois, il était arrivé au lever du soleil, avant que je quitte pour la journée. « John, comment vas-tu? » Je vais bien, merci. J'ai entendu dire que tu n'as pas visité le marché depuis quelques semaines. Tu as entendu dire. Une grimace a vacillé quelques secondes sur son visage avant d'être effacée. Il me faisait plaisir de la voir, et il me faisait également plaisir de voir qu'il sentait le besoin de la cacher. Viens à la messe cette semaine. Il te ferait du bien de voir des gens. J'ai pensé à l'intrus qui creusait dans le jardin pendant l'hiver. « Je suppose que tu n'as pas entendu tes fidèles parler d'avoir visité ma maison pendant la nuit? »« Je ne comprends pas ce que tu veux dire. »« Aucune tentative d'accomplir la volonté de Dieu? »« John, je ne sais pas de quoi tu parles. »« Qu'est-ce qui t'est arrivé? »« Non. Bien sûr que non. »« Pas grand-chose qui ressort du confessionnal, j'imagine. »« Quand tu seras à la chaire ce dimanche, dis-leur que quiconque décide de mettre les pieds sur ma terre s'y fera enterrer. » J'ai agrippé ma hache, je l'ai poussée hors de mon chemin, et je me suis dirigé vers la forêt. En fin de journée, je suis revenu à la maison et je me suis assis dans la chaise berçante de Sarah, qui était restée vide depuis son départ. Je ne savais pas pourquoi je voulais y prendre place, mais voilà. J'ai pris un livre que ma femme avait l'habitude de lire à notre fille. J'ai chassé d'une main la poussière qui tapissait la couverture pour ensuite parcourir les pages et découvrir l'histoire que ces dernières racontaient. Deux enfants, abandonnés dans les bois, capturés par une vilaine sorcière.
Une histoire que j'avais entendue une centaine de fois déjà. Après un certain temps, je me suis assoupi et j'ai rêvé à la vieille maison que j'avais trouvée dans les bois. Ce sont des bruits en provenance du jardin qui m'ont secoué de mes songes. Je suis resté dans la chaise, à me bercer, pendant que quelqu'un creusait la terre à l'extérieur. J'écoutais. Les rayons de lumière jetés par la lune dansaient à travers de la fenêtre au gré de la traversée des nuages. J'entendais la terre draguée à la main frapper le sol, la tâche ponctuée par les pleurs mélancoliques de la dernière fois. Éventuellement, j'ai délaissé la chaise berçante pour affronter l'air mordant de la nuit printanière. La lune était voilée par les nuages passants, gris et maigres comme des toiles d'araignée. J'ai tourné le regard vers le pommier, anticipant la disparition soudaine de l'intrus, comme la dernière fois. Mais il s'y trouvait encore, creusant la terre avec frénésie. L'odeur qu'il dégageait me heurtait de plein fouet, transportée jusqu'à mes narines par la brise d'avril qui arrivait des bois, la puanteur des morts ou des moribonds, de la pourriture. Mon estomac était troublé par le parfum ignoble du sang et des gaz, du terreau humide et de la putréfaction. Mon esprit s'alarmait quand il en imaginait la source. « Pouvez-vous me dire ce que vous êtes en train de faire? » Mes poings étaient serrés, mais la figure ne s'arrêtait pas. À nouveau, j'ai crié. « Éloignez-vous de là! » Toujours, elle continuait de creuser le sol gris sous la lune. Bon, je me suis mis en marche vers l'intrus. Aussitôt que mon premier pas a touché le sol, il s'est tourné vers moi, et mon cœur a cessé de battre dans ma poitrine. J'ai su, à ce moment, que l'odeur de mort ne venait pas de la terre. La créature était vêtue d'une loque qui reposait sur un corps pâle et cadavérique. Elle était à genoux, près de l'arbre, des ongles sales au bout de mains ruinées toujours en suspens dans les airs, comme prête à plonger dans le sol à nouveau. L'inconnu me dévisageait, ses yeux injectés de sang rivés sur moi, m'observant du fond de leur socle. J'étais debout, figé par le regard malsain. Mes yeux brûlaient en raison de l'odeur. Je pouvais sentir l'haleine fétide qui déversait de sa bouche avec chaque soupir. Il me fixait, et je le fixais en retour, plongé dans ses yeux vides, plus profonds encore que l'enfer. Le démon a incliné la tête doucement pour m'observer. Ce qui restait de son nez remuait un peu. Une langue noire et gonflée s'échappait de sa bouche pour goûter à l'air frais. Puis, il m'a tourné le dos pour reprendre l'excavation. Je me suis avancé encore un peu, mais il a aussitôt détalé vers la forêt, à ras le sol, rôdant comme un loup. Immédiatement, j'avais les mains dans le trou, essayant de remettre en ordre le lieu de repos de ma famille. Une larme a coulé le long de ma joue et a atterri là où se trouvaient ma femme et ma fille. Je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Ce n'était pas la dernière fois que la goule se manifestait. Elle hantait mes nuits, parfois absente pendant des semaines. Parfois, je l'entendais creuser plusieurs nuits d'affilée. Plus d'une fois, le son de ses ongles d'ébène contre la pierre m'ont réveillé, porté par le vent. J'entendais le tapage, couché dans mon lit ou en me berçant dans la chaise de Sarah. Mais, une fois la nuit tombée, toujours la bête était là à creuser. L'odeur infecte de la tombe m'attaquait en vagues. Le clair de lune était possédé par la silhouette squelettique au travail, animée par son abandon maladif. Parfois, je ne faisais qu'observer de loin, cloué sur place par le désespoir, et la goule levait sa tête, me dévisageait de ses yeux à la fois tristes et remplis de malice, pour ensuite disparaître dans la brousse. Si ce n'était pas le désespoir qui m'habitait, c'était la rage. Ces nuits-là, je l'invectivais, je la maudissais. « Retourne en enfer! Laisse-les tranquilles, laisse-les reposer en paix! » Et elle grognait comme un fauve avant de se dissiper parmi les branches. J'ai considéré faire appel au prêtre à ce moment-là. Peut-être aurait-il pu bénir la terre, l'exorciser afin que la créature trouve son repos. Mais je craignais qu'on me prenne pour un fou. Est-ce qu'il m'enfermerait dans l'asile au sommet de la colline? Qui protégerait ma famille alors? J'ai vite oublié l'idée. Un jour, je me trouvais dans le fourré où se cachaient les ruines. Je m'étais convaincu que la maison abandonnée était maintenant l'antre de la créature. C'est ici qu'elle traînait sa carcasse quand elle se lassait de tourmenter mes nuits. J'y ai amené ma pelle et j'ai creusé le sol comme un damné, mon front pissant la sueur, espérant y trouver des réponses, ne déterrant que quelques fragments d'un vase en terre cuite, le manche d'un couteau. Rien d'important.
Rien du tout. Les visites de la liche devenaient plus fréquentes à l'arrivée de l'automne. Les jours m'échappaient. Mes rares visites au village et au marché étaient devenues inexistantes. Toutefois, je savais, en me fiant au cycle de la lune et à ce sentiment qui habitait mon sang et mes os, quelle était la raison derrière ces changements. Le mois d'octobre approchait. Ma fille, ma femme. Le mois d'octobre m'avait apporté la mort sur ses épaules. Et cette année, la mort se manifestait sous forme physique. Il y a un an, j'ai enterré ma femme dans la terre grise et froide de son jardin. Maintenant, un an jour pour jour après son décès, la créature est apparue au 12e coup de minuit. Étrangement, quelque chose m'habitait cette nuit-là. Une flamme, une passion que je croyais éteinte depuis longtemps. Tuer la goule, la détruire complètement, l'abattre avec ma hache, me baigner dans son sang. L'enterrer sous le pommier à son tour. Assis dans la chaise de Sarah, ma hache à portée de main, j'attendais comme un loup prêt à l'embuscade. Je fixais la lune à travers le givre dans ma fenêtre. Aussitôt que j'ai entendu un grattement, j'étais debout. Le poids de ma hache réconfortait mon cœur qui battait à tout rompre. Une fois à l'extérieur, j'ai pointé la tête de mon arme en direction de la bête. « Que Dieu te maudisse! Je vais t'envoyer en enfer! » Elle s'est arrêtée quelques instants et a tourné la tête. Par-dessus son épaule, ses yeux vides m'étudiaient. Puis, elle me sourit, les ruines de ses lèvres retroussées pour dévoiler des gencives noires et des dents jaunies se terminant en pointe comme des crocs. Une grimace cruelle. Son bras s'est levé d'un coup sec, les lambeaux de ses vêtements fouettés par le vent. D'un doigt cireux, elle m'a invité à approcher, me mettant au défi de venir l'achever. Une rage bouillonnante s'est emparée de moi et je me suis lancé à sa poursuite. La créature s'est propulsée dans la forêt à une vitesse surnaturelle, moi-même à ses trousses, le vent dans mon dos. Le monstre bougeait comme du vif argent, glissant à travers les branches avec aise alors que le vent me les envoyait violemment en pleine figure. Souvent, j'ai cru perdre sa trace, avant que le grincement sec de son rire, peut-être imaginé, me relançait dans sa direction. De moins en moins dense, la forêt me permettait de gagner du terrain. Je sentais mes mains se resserrer, comme anticipant le moment où elles se retrouveraient autour du cou de la créature. J'avais déjà perdu ma hache depuis un temps, désarmé par une branche l'ayant arrachée de mes mains. Notre course débouchait sur une clairière. Je pouvais goûter son odeur de mort sur ma langue. La bête est tombée au sol et s'est retournée sur son dos. À peine à terre que j'étais déjà sur elle, mes mains à son cou, mes doigts pressant sa peau jaune et graisseuse, creusant jusqu'aux os, alors que des insectes remontaient le long de mes bras. Je fixais ses yeux vitreux pendant que la créature se tortillait sous mon poids. Un seul mot s'est échappé de sa gorge, comme un galet qu'on aurait lancé au fond d'un puits. Mes mains sont soudainement devenues faibles. Sur son visage, j'ai reconnu la pitié. Et j'ai reconnu que cette pauvre bête n'était pas un émissaire du péché ou des enfers. Cette pauvre bête, c'était moi. Émacié, pourri par la mort. Mais moi, comme si j'observais mon reflet dans les eaux du Styx, l'oubli m'appelant à lui. J'ai lâché prise, paralysé par ma haine et mon dégoût. Un autre sourire sur ses lèvres. Mon double morbide a articulé le nom de mon épouse à nouveau, mais je n'entendais que le souffle du vent et les feuilles mortes traversaient le sol. Ses yeux vides sont passés de moi aux branches par-dessus nos têtes. Suivant son regard, je me suis arrêté sur un nœud coulant accroché un peu plus haut, bercé par la brise. J'ai voulu étrangler la goule à nouveau, mais elle n'était plus là. Disparue. J'étais seul dans la clairière. À genoux, les mains au sol, j'ai levé la tête. Le nœud était toujours là. La lune reposait parfaitement dans son ouverture.